plus de 4 heures de show, du suspense et un sapristi, Vaïma Lamachave est devenue Miss France 2019. Minuit 20. Miss Limousin, 4e Dauphine. Miss La Réunion, 3e Dauphine. Miss Franche-Comté, 2e Dauphine. Miss Guadeloupe, 1ère Dauphine. Miss Tahiti et Miss France 2019. 23h35. Les 5 finalistes sont Miss Guadeloupe, Miss Réunion, Miss Tahiti, Miss Franche-Comté et Miss Limousin. 22h50. Voici les 12 demi-finalistes, Miss Guadeloupe, Miss Provence, Miss Nord-Pas-de-Calais, Miss Côte d'Azur, Miss Réunion, Miss Aquitaine, Miss Lorraine, Miss Tahiti, Miss Franche-Comté, Miss Île-de-France, Miss Limousin et Miss Languedoc-Roussillon. 22h20. Tout habillées d'un maillot de bain, une pièce rose à froufrou, les Miss font le show sur les notes de Crazy in Love, It's a Road Jack ou encore Walking Sunshine. Le thème? Pain up. Les présentations s'enchaînent. Les Miss sont présentées une par une, entrecoupées de tableaux. Après le French Cancan, les Miss sont mis à l'honneur Bollywood. C'est parti pour 4 heures de show. Lynn Renault a déclaré ouvert la cérémonie de Miss France 2019. Bonsoir la France, bonsoir les ch'tis, a-t-elle déclaré, après une première danse endiablée. H1. Alors que la cérémonie est sur le point de commencer, voici les tableaux prévus pour cette 89e élection de Miss France. Après avoir défilé une première fois en costumes régionaux, elles enfileront des maillots, une pièce dans un esprit pin-up, rendront hommage à Charles Aznavour puis se métamorphoseront en super-héroïne sexy. Sont également prévus un tableau Bollywood, un French Cancan et un sur le thème du cirque. Le show promet d'être grandiose. Jour J, on y est enfin. Après des semaines d'attente, de stress et d'excitation, les 30 prétendantes au titre de Miss France 2019 défileront ce soir au Zénith de Lille. Au terme d'une soirée riche en surprises et en émotions, l'une d'entre elles verra sa vie basculer et recevra des mains de Maëva Cook, Miss France 2018, la prestigieuse couronne. Année après année, le sacre de Miss France reste un programme phare de TF1. L'an dernier, la chaîne s'était placée largement en tête des audiences en attirant 7,4 millions de téléspectateurs, 37,1% de part d'audience. Avec un pic à 8,8 millions lors du couronnement. L'aventure a commencé il y a un mois pour ces 30 jeunes femmes, qui rêvent de succéder à Maëva Cook.
réunis par Sylvie Tellier à Paris pour la première fois au mois de novembre. Elles ont ensuite posé leurs valises à l'île Maurice pour le traditionnel voyage de préparation. Entre les cours de bonne manière et ceux de yoga, les Miss régionales ont eu l'occasion de tisser des liens entre elles et se forger des souvenirs impérissables. Après ces jours ensoleillés, elles ont retrouvé la grisaille lilloise et enchaîné les répétitions. Chorégraphie, tableau vivant, défilé. Ce soir tout doit être parfait.